22 marines tués pendant l'assaut. On n'a pas assez de moyens pour s'occuper de tous les blessés. On est peut-être plus sous l'emprise de Chang, docteur, mais ce n'est pas fini. On a besoin de tout le monde sur pied et prêt à se battre. Et Tombstone, capitaine, ils ne font pas partie des morts. Putain, très bien. Ok, quoi d'autre? S'ils ont été capturés, quelles sont les chances? Si Chang met la main sur eux, ça m'étonnerait qu'on les revoie. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend, on s'était arrêté la dernière fois dans notre walkthrough de Battlefield 4 à la cinquième mission, hein. Et je vous laisse bien évidemment après ce temps de chargement dans une autre cinématique, donc c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup parlé pour l'instant. Votre mission à Shanghai, sergent Riker, c'était pourquoi? Quelle était votre mission à Shanghai? Kimble Irish Graves, sergent. Laisse-le tranquille, espèce d'enflure! Alors, à votre tour, sergent. Riker! Riker, restez avec moi! Restez avec moi, Riker! Je vais t'arracher tes deux putains de bras et je vais m'en servir pour cogner sur cette salope d'Anna jusqu'à ce qu'elle crève! Elle et son fumier mari. Son mari? Quel mari? T'as perdu la tête? Tu prends pour un demeuré le type avec des pansements. Je sais tout. Donc, il est vivant. Votre navire, c'est l'USS Valkyrie, hein? Quoi? Putain, mais de quoi tu parles? Vous ne savez pas qui vous avait fait sortir de Shanghai, n'est-ce pas? Oh! Pas trop méchant, chier! Je le vois, tiens. Riker! Riker! Restez avec moi, maintenant! Riker. Riker. Ils disent que c'est votre nom. Vous savez quelque chose sur Jinjay? Je les entends parler. De vous. De Jinjay. Ils disent que vous savez quelque chose. Hé, sergent, réveillez-vous. Vous êtes américain, souvenez-vous. Vous pensez que votre pays viendra vous chercher? Non. Vous pourrirez ici. Croyez-moi. Vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Mais il y a des limites à ce que peut faire un homme seul. Une chaîne ne vaut pas mieux que son maillon le plus faible. Je vois que vous êtes fort, et que vous avez les compétences qu'il nous faut pour sortir d'ici. Alors je vous fais confiance. Vous comprenez? Sauf si vous avez envie de respirer cette puanteur pendant les quelques heures qui vous restent à vivre. Quand vous avez survécu à une explosion nucléaire comme moi, ou que vous vous battez pour la liberté, comme vous affirmez le faire, vous ne pouvez pas mourir en prison. Il y a quoi derrière ce mur, hein? Encore la prison ou la liberté? Je suis pas curieux. Allez, venez. Suivez-moi. Ah, merde! Regardez où vous mettez les mains. Grimpez. Et ben, Timo. Sur le côté, il faut sauter. C'est un des personnages du Battlefield 3, Timo. Sur les canalisations, sautez.
veux dire, quand j'ai fait cette campagne, quand je l'ai vue, putain, ça m'a étonné. C'était bien sympathique, cette mission avec. Allez! À l'exception que quand on était russe, sans le contrôler. Bien, si on reste ensemble, on survivra. Maintenant, attention. Si vous prenez une balle, je pourrais rien faire. Un marine mort ne sert à rien. Angle qui soude, tannerie. Ils ont des rongeurs. Allez, sergent. C'est bon de retrouver un but. Faire ce que je fais de mieux. Votre présence est inespérée pour moi. Elle a créé beaucoup d'agitation. La tour au centre permet de débloquer tous les verrous manuels. De là, on peut ouvrir toute la prison. Maintenant, attention. Éliminez le garde en silence. Moi j'ai mis un raccourci sur ma souris, c'est pour ça que je l'utilise. Hein. Je vais vous couvrir, grimper et neutraliser le verrou. Évitez les projecteurs. Bon, vous pouvez éliminer tout le monde discrètement, je vais tenter de le faire. Il y a même en difficile que c'est la même histoire. Bon, alors, pour information, si c'est pour avoir les deux à main, couteau. Premier coup, j'ai fait attention au projecteur, finalement, je me suis rendu compte que ça sert à rien de faire attention. Ça se fait que j'ai pu passer. D'accord, je me suis levé en fait. Je rêve ou il est passé sur son camarade sans le voir. Et ben il y a... Normalement un sur la passerelle. Et voilà, le perfect, on a réussi les gars.
prendre la mitraillette, ça ne sera plus utile. Déjà ce que vous allez dire, le son est beaucoup trop fort, non, j'ai fait exprès de laisser le son fort, ça vous profiterait au moins du jeu. Même si je vais un peu crier dans le micro pour que vous m'entendiez, c'est pas un problème. C'est tout à fait normal que son soit fort, j'ai fait exprès pour vous. Pac ! T'es où, Pac ? Un autre Américain ? Dégage de là ! Allez ! Pac ! Où est-ce qu'il est passé ? Pas question que je me tire sur lui ! Allez, faut y aller ! Viens ! Qu'est-ce qu'ils l'ont emmené ? Comment ça ? L'ascenseur est droit devant. C'est la seule sortie. Pas question de partir sans plaque. Et ici, la première plaque. Je ne vais pas mourir ici. Qui même me suit ? On a une sur... Il y a trois plaques dans ce niveau. Venez, on doit rester en mouvement. Hacker, vous faites confiance à ce type ? On n'a pas le temps de parler de confiance. Mettez-les tous. Nettoyez ces plaques. Parfait. Voilà l'ascenseur. C'est trop facile. Où est-ce qu'on va ? C'est le bon chemin ? Oui. Pourquoi nous aider ? Je ne vous aide pas. C'est vous qui êtes en train de m'aider. Très bien. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. C'est qui, lui ? Votre partenaire ? Il est fiable ? On est où ? À Singapour, c'est ça ? Elle était bonne. Votre amie plaisante. Je suis Irish. Et voici Wrecker. Pac. Pac. Oh merde, c'est vrai. Vous savez ce qu'il y a là-haut ? Je parie que non. Sors-moi. Vous pigez pas. Vous pigerez bientôt. Et où, là ? Qu'ils passent les premiers. Ils se feront tuer. Nous devons nous permettre de récupérer déjà certaines armes. Première arme, la plus utile, mon sniper favori. Deuxième arme, des armes. Arme plutôt, on va récupérer... Allez, là c'est ça. C'est pour ça.
moins à ce niveau du jeu, vous aurez mon sniper. Je me permets d'en abuser. Attention, Wrecker, je vous couvre. La porte est ouverte, bougez-vous. Allez, Wrecker, on se tire d'ici. Ce russe a l'air de s'y connaître. Il va être capable de nous tuer quand même. Oui. Sur les... Je suis pas visé, excusez-moi. Mais faible performance. Avant tout, la deuxième arme. Sur, vous montez là-bas, ici. Au début, vous trouverez le deuxième couteau avec la plaque. Donc vraiment pas très dur à trouver dans cette position. La dernière est peut-être la plus chelou, parce qu'ils ont mis un endroit que j'avais pas pensé initialement, mais ça va encore. Même sans mon aide, je pense que vous les auriez tous trouvés, franchement. Comment on va sortir de ça? Du calme. Nettoyez la salle. Hop. Bon, par contre, tout de suite, il peut y avoir un bug. Vous comprenez très vite pourquoi. Ça m'arrive assez souvent. C'est-à-dire que j'ai gardé quelqu'un en vie. Bon bah. C'est bon. Tous tués. Et maintenant? Maintenant, salle de contrôle. Putain, c'est où? À côté de la porte. Là-dedans. Pas de panique, la merde. C'est où? Je ferai pas ça. Allez, on y va. Ok, c'est bon. Ça va, c'est bon. J'espère que ça vaut le coup. Bon, profitez bien du lance-grenade et des clés morts. Clés morts. Moi, je conseille pour éviter le contournement. Une ici. Une là. Une là. Une ici. Mon corps ne suit plus. Une ici et la dernière ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Des hélicos. J'ai besoin de temps pour la porte. Vraiment énervant cet enchantement. Donc le bug là, maintenant qu'il a dit qu'il y a des hélicos, je vous explique, c'est que parfois il y a une personne qui descend pas de l'hélico. Donc il ne descend pas l'hélico et vous devez vous débrouiller pour tuer la personne. Assez dur, hein. Ils sont allés en tant que mitrailleur. Les morts, des explosifs, tout ce qu'on peut utiliser. Wrecker, hélico au-dessus. Ils viennent du toit. Allez, Wrecker. C'est un putain de merdier. Première vue, apparemment je n'ai pas eu le bug. Si jamais vous avez le bug, vous devez matraquer l'hélico à coup de lance-grenade, au bout d'un moment vous l'aurez.
un peu pour abattre les vivants. Allez, j'ai besoin de temps. J'ai presque fini. Pas grave. Voilà, on peut passer dessous. Tout. Oh. Oh, venez. J'ai pas pu faire autre chose. Je vais me payer, espèce de pute. Ben, moi, tu veux tuer cette chinoise, hein? Alors qu'elle vient de nous sauver. Du calme. Va te faire foutre, tu nous as donné. Je vais vous expliquer. Mon cul, tu nous as trahis. Tu travailles pour Chang. Non, je suis pas du côté de Chang. Il en voulait à Jinji. Ma mission était de le protéger. Il regarde où ça l'a amené. Tout droit à la mort, putain. Non, c'est faux. La il ferme, encore... vous deux. Sauf si vous voulez crever ici. On y va. Prenez vos armes. Sergent, aidez-moi avec cette porte. Riker, j'ai ça pour vous. Vous avez gardé les jumelles tactiques? Écoutez la musique, vous verrez que ça fait référence à notre jeu, je vous dirai en fin de vidéo. La référence du jeu. Qu'est-ce qu'on fait, Gilles? Où est-ce qu'on est? Regardez ça. La liberté! La musique fait référence à Mass Effect. Ceux qui ont fait. Hey, sergent! Il nous faut des explosifs! Voilà. Et je trouve la musique à ce moment-là est juste magnifique. Écoutez-moi l'ambiance! Voici le S-36 Recall Sniper. J'aime pas vu que c'est un fusil à viande. On le reprend en haut. C'est la seule arme de ce niveau. Hein. Enfin, seule arme cachée de ce niveau. Partout.
approche dans la pente. À couvert. À couvert. Ah, quand on était. Tu es le gars ou un grenade, non? Pas tous. Périphérique. Nous avons une dernière chose à récupérer. La dernière puck de ce niveau se trouve juste en dessous du périphérique. Tout de suite, la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude. Un tout petit peu. Mais bon, voilà. C'est pour vous. Vous voyez que ces 4 ne servent à rien. Et aussi. T'es pas mort? Chang n'a pas réussi à l'avoir. Maintenant, il est sur l'USS Valkyrie. Ouais, ton mari, entre guillemets. Oui, c'est juste une couverture. Si Chang découvre où il se trouve, l'avenir de la Chine est menacé. J'en ai rien à foutre de la Chine. Tous ceux qui sont sur ce bateau sont menacés. On peut pas y faire grand-chose, mon ami. Mais t'es qui, toi? Putain, mais c'est qui, ce mec? Hein, quoi? Ça faisait partie du plan! Hélico, on approche! Thank you.
allez bien? Je survivrai. Le russe est bien mort. Au moins, il est mort libre. Allez, on a encore un long chemin à faire. Donc voilà, ouais, c'est ainsi que se termine cette mission. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine fois et vive le jeu vidéo.